Ouais, c'est sûr que c'est le fun. Surtout la séance à la fin de plus qui est le fun à gagner. Mais c'était le fun aujourd'hui de gagner. Surtout avec quelqu'un qui regarde tout le temps. C'est le fun de gagner, de faire le photo du but. J'ai su au 17, avant le 17, je pensais que je venais juste par deux sur Hugo. Mais j'ai su au 17 que finalement que Dwight était à moins 7 aussi. Fait que je savais qu'il fallait que je fasse un birdie dans les deux derniers trous. J'étais capable de faire au 18 en faisant un bon pas. Oui puis non. C'est sûr qu'on est mieux quand il fait plus beau, mais j'avais un cadet aujourd'hui, fait que ça l'a aidé. Il m'a aidé à garder mes bâtons et mes mains secs. C'est sûr que le vent, c'était plus un facteur que la pluie. Mais je dirais qu'en général, non, ça ne m'a pas trop mis. Janvier, je vais tourner professionnel après ma session d'école. L'été prochain, je vais faire des tours dans la région pour me ramasser de l'argent. Puis tout dépendamment combien d'argent je vais pouvoir me ramasser avec mon job et les tournois. Mais ça va dicter voir ce que je vais faire pour l'hiver. Puis on prendra une décision par rapport à ma game et au nombre d'argent que je suis capable de ramasser. Moi et mes amis, on joue tout le temps au hockey l'hiver, puis quand le hockey finissait, on était tout ensemble, puis on était toujours au golf à Valley Field, puis on jouait pendant tout l'été. Nos parents nous débarquaient au golf à 8-9h le matin, puis on restait jusqu'à temps qu'il finisse, puis le soir à 4-5h. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. À 17 ans, j'ai eu une bonne saison au niveau provincial. Puis là, ça avait bien été. Puis je me suis jamais vraiment fixé d'objectif jusqu'à temps que j'aille à l'université. L'université aussi, c'est arrivé aussi par hasard un peu. Je l'essayais pas. J'essayais pas vraiment de me faire recruter. Puis je me suis fait recruter, j'ai fait 4 ans là. Mais je prends tout le temps le même ball marker, mais je l'ai perdu avant d'arriver aujourd'hui. Fait que je n'ai pris un autre. Ben pas aujourd'hui, mais avant d'arriver au tournoi. Je n'ai pris un autre. Puis ça a quand même bien été. Fait que moi, je vais le garder. J'aimerais ça remercier mon coach Jeanne Marvin. Il m'aide vraiment beaucoup depuis qu'on est ensemble. Ça va faire 5 ans. Puis il m'a pas mal aidé dernièrement vu que ça allait pas trop bien. Il essayait de rester positif avec moi, même si des fois c'était difficile quand je voyais pas d'amélioration sur mes scores. Puis surtout mes parents. Ça fait depuis que j'ai 16 ans qui me suivent souvent les tournois. Puis ils étaient en fin de semaine, fait que c'était le fun. Puis mon caddie, Jamie, qu'il m'a pas mal aidé, puis surtout au dernier, c'est lui qui m'a aidé. On a bien eu des potes ensemble, fait que ça m'a pas mal aidé pendant les deux journées. Et puis l'autre, c'était le fun, on se niaisait un peu entre les shots, puis pour une fois, j'ai réussi à le battre, donc je vais l'apprécier. Ouais, gros, là, c'est...